Direction Chantilly ce lundi pour le premier tiercé quarté quinté plus sur gazon de l'année sur l'hippodrome des Princes de Condé. Le prix de la chartreuse, 1600 mètres à parcourir pour ses 16 compétiteurs. Et on commence tout de suite avec le top weight, l'as Scottish Anthem. Il va certainement progresser sur sa course de rentrée. C'est un lauréat de quinté qui en a un autre dans les jambes. Le numéro 8, Norwegian Sir. On va regarder sa récente 5e place et le gris kazakh de Monsieur Pariant finir très fort le long de la corde à la 5e place. Il arrive dans un bel état de forme de son meeting canois. C'est un adepte des pistes souples. Et avec ce bon numéro, la stalle de départ, sa place est à l'arrivée. Le numéro 6, Exciting. Il est la note de la course le 7 mars sur 7 PSF. Il allait terminer à la 3e place après avoir été un temps malheureux. Il a lui aussi un quinté dans les jambes à cette valeur. Il a ses meilleures références sur le plat. Et la piste sera neuve, ce qui devrait lui plaire. Le numéro 9, Galord, vient lui de s'imposer sur la piste très souple de Compiègne. Cheval encore tout neuf. Il n'est pas arrivé au bout de sa valeur. Le 2 Dantes, il faut certainement effacer sa dernière sortie. Il reste compétitif. Tout comme le numéro 5, Goldino Bello, qui a enfin trouvé son quinté l'année dernière et qui va effectuer sa rentrée. Mon ticket donc en 6 chevaux, l'As, le 8, le 6, le 9, le 2 et le 5, pour un montant de 12 euros en mise pleine. Vous en avez bien sûr l'habitude, vous pouvez retrouver mon analyse détaillée et plein d'autres informations sur le site kidia.fr.